Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ma parole se porte essentiellement sur la fête de la Saint-Joseph. Oui, vous m'avez bien entendu, Saint-Joseph. Parce que tout simplement, nous sommes le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph, protecteur de l'Église, protecteur de toute la communauté. Il est vrai que trop souvent, on oublie de le rappeler. Et trop souvent, les élèves ne font pas spécialement attention à ce petit détail. Et pour cause, comme je le dis souvent, nos agendas ne sont plus à jour. Il est vrai que Saint-Joseph est très particulier. Ainsi, nous avons une église, Saint-Joseph, à Colmar. Mais Saint-Joseph, ce fameux charpentier, l'époux de Marie, qui est la personne la plus importante dans la Sainte Famille, parce qu'il a choisi, selon moi, le prénom de Jésus. Et l'on trouvera cela sur le site de l'église catholique.fr. Il eut une mission, c'est veiller sur Jésus comme un père. Il était le père terrestre de Jésus. C'est lui qui donna le nom à cet enfant né à Noël. Il y a quelques semaines, nous fêtions Noël. Mais depuis, nous sommes déjà dans le temps du carême et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur mon autre chaîne YouTube. Le Seigneur a voulu que le chef de la Sainte Famille, donc la famille de Nazareth, Marie, Joseph, Jésus, continue à remplir la même tâche dans l'Église tout au long des générations à venir, quand bien même il ne serait plus là. Donc c'est pour cela que la fête est solennelle. C'est une solennité de l'Église. Et ensemble, nous devons ne pas le prendre à la légère. En ce temps de confinement, nous devons nous poser des questions. Voici déjà le quatrième jour pour certains, le neuvième jour pour d'autres, que les cours se font à distance. En ce qui me concerne aujourd'hui, plutôt que de vous parler d'autre chose, j'ai souhaité vous parler de Saint Joseph. Mes propos sont d'ailleurs illustrés par des images, l'année de-ci, de-là, mais aussi des images prises par moi-même. Oui, à toutes et à tous, ne perdez pas espoir alors que beaucoup de personnes sont gravement malades. Je pense à vous, à toutes ces personnes qui sont dans la détresse, à vous qui êtes cloisonnés chez vous. Et je vous rappelle une fois de plus que l'hygiène est la chose la plus importante tout en restant chez soi. N'allez pas vous regrouper. Aujourd'hui, effectivement, en temps normal, j'irai à la messe du soir. Mais je ne le ferai pas parce que, effectivement, les célébrations sont interdites par l'obligation de ne pas se réunir. Mais rien ne nous empêche de prier et d'avoir espérance. Alors, bonne journée encore à toutes et à tous. Et puis, bon temps avec Saint-Joseph.